Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière mais qui va vous plaire parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un site de streaming sur lequel tu pourras regarder tous les films récents qui sont sortis il y a très peu de temps au cinéma, sans bug, sans inscription, sans pub, de bonne qualité, c'est un truc de ouf, il y a tout qui est parfait sur ce site. Oui, il existe encore des sites de streaming parfaits en 2019. Je vais vite vous présenter le site, mais juste avant qu'on commence la vidéo, j'ai un service à vous demander. Depuis quelques temps, j'ai remarqué que quand je sors une vidéo YouTube, mes abonnés ne reçoivent aucune notification. Ça veut dire que ma vidéo est tout simplement lâchée sur YouTube comme ça, sans notification, sans rien, et elle se démerde en gros. Donc c'est quand même très difficile pour qu'une de mes vidéos marche un minimum, et on en a besoin nous en tant que YouTubeurs, même si je fais YouTube par passion. C'est toujours sympa de recevoir des retours positifs ou négatifs, mais pour améliorer les vidéos, c'est toujours sympa d'avoir des commentaires, et voilà. Donc n'hésite pas à lâcher ton plus gros like juste en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et maintenant, on est là, on peut partir sur le site. Regardez, je suis sur Google, je vais dans la petite barre des liens en haut et je tape streamcomplet.com. C'est écrit là en bleu, stream, on va l'écrire en entier, streamcomplet, hop, .me. Tu fais entrer et là tu atterris sur ce site. Alors, bon, on est d'accord que l'interface est vraiment, vraiment moche. Ça veut dire qu'il y a juste écrit stream complet et là tu as les films. Donc tu peux voir déjà que Creed 2, voilà, je viens juste de le voir, Creed 2 qui est sorti il y a vraiment, vraiment très peu de temps, je crois qu'il est encore dans les salles même, il est déjà sur le site. Bon après, c'est fort possible que ce soit un mec qui ait pris un téléphone dans une salle de cinéma et qui ait filmé le film pendant 2 heures comme ça. C'est très possible parce que voilà, il est sorti il y a vraiment très peu de temps. Si ça serait comme ça sur tous les sites, et ben, le cinéma ça va couler. Donc je pense que c'est comme ça. Mais dans quelques semaines ou quelques jours, il sera de bonne qualité. Par exemple, Les Dégains. Les Dégains, je l'ai regardé hier sur ce même site. Je l'ai regardé et tout s'est bien passé. Donc je vais vous montrer un exemple avec Les Dégains. Bon, je clique dessus. Hop. Voilà, il y a une page qui s'affiche. Les Dégains. J'enlève le télécharger, regardez. J'appuie sur la croix. Je fais lancer. Ça se lance. Ça, ça charge. Et voilà. Après, t'as plus qu'à mettre en grand. Et tout marche bien. Parce que vous êtes la merde fumante qui sort du trou du cul de la société. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Après, t'as juste à te mettre en grand en appuyant sur full screen. Ça te met en grand sur ton écran. C'est le principe de full screen. Et après, t'as plus rien d'autre à faire. Tu regardes ton film. Tu veux regarder un autre film. Tu fais retour. Hop, tu choisis un autre film. Et tu fais exactement pareil. Tu lances le film. Et ça va marcher. Voilà, c'était une vidéo très courte mais très intéressante pour vous, en tout cas qui va sûrement beaucoup vous aider si vous regardez souvent des films. Et je ne peux pas mettre le lien du site dans la description parce que c'est pas un lien cliquable. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé avec un pote à moi, je lui ai envoyé et quand il clique dessus, ça fait erreur 200, je sais pas combien. Et du coup, c'est impossible que je vous donne le lien. Donc vous avez juste à aller sur votre navigateur. Et vous tapez streamcomplet.me et tout va bien marcher. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez surtout pas à revenir sur la vidéo. Tu me mets un commentaire en mettant ton problème et j'essaierai de t'aider un maximum. Sur ce, le petit like qui me ferait super plaisir, le commentaire, tu me dis en commentaire si tu vas aller voir ce site, si le site a marché. Et s'il n'a pas marché, tu m'expliques qu'est-ce qui n'a pas marché. J'essaierai de t'aider encore une fois. Et nous, on se dit à très très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.